Voilà, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans cette soirée où nous allons annoncer une fois de plus Jésus-Christ ressuscité. Et nous voulons prendre ce premier chant qui dit « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Oui, nous sommes heureux car Jésus un jour est venu transformer nos vies. Il nous a sauvés et nous a délivrés de nos péchés. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Car son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me désenchante. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Heureux, heureux, je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Allez, alléluia, merci Seigneur. Oui, jusqu'à présent, peut-être tu as cherché le bonheur à droite, à gauche. Sache que le vrai bonheur, tu vas le trouver qu'en Jésus-Christ. C'est le seul vrai bonheur. Laisse-moi te dire que Jésus a des plans merveilleux pour ta vie. Amen. Jusqu'à présent, tu as cherché le bonheur. Tu es déçu car tu es toujours seul. Seul dans tous tes soucis et dans ton malheur, viens à Jésus, tu ne seras plus tout seul. Alléluia, je ne suis jamais tout seul. Il m'accompagne vers le paradis. Jésus est pour moi le roi et le prince de la vie. Je ne suis jamais tout seul, plus jamais seul. Jésus peut t'apporter pardon, guérison. Il est la vie et celui qui bénit. Aujourd'hui, tu peux entrer dans ta maison, si seulement tu voulais venir à lui. Alléluia, je ne suis jamais tout seul. Il m'accompagne vers le paradis. Jésus est pour moi le roi et le prince de la vie. Je ne suis jamais tout seul, plus jamais seul. Oui, nous ne sommes plus jamais seuls parce que Jésus a promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus est l'espoir des nations. Et toi aussi, ce soir, tu es là et peut-être que tu as besoin de ça. Tu as besoin de cet espoir. Et tu n'es pas là par hasard. Moi, je pense que Jésus t'a fixé un rendez-vous ce soir et il veut se révéler à ton cœur. Jésus, l'espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit,
Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et nourrir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur. Prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations. Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit. Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons en ce Jésus-là qui est venu sur terre, qui est mort pour nos péchés, mais qui est ressuscité. Oui, et il a donné sa vie pour toi, mon ami, qui est là ce soir, en présentiel comme en distanciel, à travers les réseaux sociaux. Et c'est pour toi qu'il s'est donné. C'est pour toi que son sang a coulé sur la croix. Prenons ce chant qui dit « Sauveur du monde ». Oui, il est venu te sauver. Il suffit juste que tu l'acceptes dans ton cœur. Dieu nous a donné Jésus-Christ, son Fils, mort à notre place. Il a porté le péché, la honte sur la croix. Il dit, tout est accompli. Le Seigneur a vaincu l'obscurité. Il revit sur la mort. Chemin du salut, il est le sauveur du monde. Oh, l'honneur de son nom, nous crions l'acclamons. Gloire à Dieu,
Oui, Jésus-Christ, sauveur du monde, mon ami. Oui, il t'a sauvé. Il suffit de le croire. Accepte-le dans ton cœur. Et toi aussi, tu seras sauvé. Tu seras appelé enfant de Dieu. Amen. Oui, nous prenons ce dernier chant avant d'écouter la parole de Dieu. Né de la poussière. Oui, nous sommes des que de la poussière. Dieu nous a créés. Il nous a soufflé l'esprit dans cette poussière que nous sommes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le louer, pour l'adorer. Et toi aussi, ce soir, si tu l'acceptes dans ton cœur, tout simplement, toi aussi, tu peux devenir un enfant de Dieu. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté, et le cœur avide de vraie liberté. J'ai suivi ce guide nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, oui, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Alléluia, Seigneur. Nous voulons, mon Dieu, Seigneur, placer entre tes mains, Seigneur, cette soirée éternelle des armées. Et nous voulons, Seigneur, te placer aussi toutes ces personnes, mon Dieu, qui sont là pour écouter peut-être la première fois ta parole, Seigneur. Viens toucher leur cœur, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, souffler dans leur cœur, mon Dieu. Viens, Seigneur, changer leur vie, qu'ils puissent passer des ténèbres à la lumière, mon Dieu. Merci, Éternel, pour ton amour, pour ta fidélité et merci pour ta présence ce soir, Père Éternel. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez soif ce soir? Est-ce que vous avez soif de vérité, de justice, soif d'amour, soif de qui peut satisfaire votre cœur? J'aimerais être comme une toute petite flèche qui vous indique la direction, afin que vous puissiez, vous, trouver à boire et de l'eau vive. L'histoire de ce soir, c'est l'histoire d'un peuple qui avait soif et ils ont cru avoir trouvé l'eau, mais ils ont été déçus. La déception, mais après la déception, il y a eu une victoire, un miracle. C'est formidable quand on n'espère rien et qu'on reçoit. Je voudrais, en commençant, vous donner un petit témoignage que j'ai donné, je crois, déjà, mais bon, il y a des années, cela, nous étions encore jeunes, plus que maintenant, et avec mon épouse, et je crois qu'il y avait un enfant ou deux avec nous, je ne me souviens plus, nous avions décidé de faire une randonnée en montagne, en Savoie. C'est beau, la Savoie, hein, magnifique. Alors, on n'hésitait pas, on mettait les chaussures, on crapahutait, on montait très haut, on redescendait très bas, enfin bref, on s'éclatait, quoi. Mais avec le temps, on a commencé à avoir soif. Et on n'avait pas d'eau, on avait tout bu. Alors, on regardait, bon, en Savoie, quand même, il y a de l'eau, hein. Mais on ne voyait rien, pas d'eau, en pleine montagne, rien du tout. C'était vraiment difficile, on commençait à tirer la langue un peu. Puis, d'un seul coup, j'ai vu devant moi, à quelques mètres, une flèche, comme faite avec un stylo feutre, toute petite flèche, comme ça. Ah bon? Alors, je me dirige, et là où j'arrive à cette flèche, je vois une deuxième flèche, un peu plus loin. Allez, ça c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qui se passe? Un jeu de piste, en pleine montagne, qu'est-ce que c'est? Peut-être il y a des pièces d'or, je ne sais pas. Hein. Mais ce jour-là, j'avais besoin plus que de l'or, j'avais soif. Et tout d'un coup, au bout de quelques flèches, j'arrive devant un rocher, et dans ce rocher, il y avait un tout petit trou. Et dans ce petit trou, il y avait de l'eau qui sortait tout doucement, un filet d'eau. Il fallait rester un moment pour se remplir le creux de la main. Et je me suis dit, mais qui c'est ces gens sympathiques, intelligents, qui ont pensé à montrer où était la source? Il n'y avait même pas d'explication, il n'y avait pas de parole, il y avait juste un petit dessin. Et au bout du dessin, quelqu'un qui avait très soif et qui était tellement heureux de boire. Alors, j'aimerais être comme une petite flèche ce soir pour vous dire, viens, viens avec moi, il y a un ami, il y a un Seigneur qui ne te décevra pas. Il satisfera ton cœur et ton âme. Alors, pour introduire cela, nous allons faire une lecture dans l'Exode, chapitre 15, verset 22. Exode 15, 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que ferons-nous ?» Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Et ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et que ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Ils arrivèrent à Élim, et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là
près de l'eau. 12 sources d'eau, 70 palmiers. Quelle abondance dans la grâce de Dieu, dans l'amour de Dieu. Voilà un peuple qui est en marche et un peuple qui souffre, qui est en difficulté. L'image de la sécheresse qui existe dans le monde, le matérialisme ne satisfait pas. Après la réussite du passage de la mer Rouge, c'était un événement extraordinaire qui s'est produit. Après cette réussite, eh bien, ils ont chanté un cantique. Ils ont chanté à Dieu, hein, au chapitre 15 et au verset 1er, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Tu es mon Dieu, je te célébrerai. Tu es le Dieu de mon salut, je t'exalterai. » Voilà un cantique qu'ils ont fait monter vers Dieu. Un chant de joie. Peut-être que vous avez eu une bonne affaire qui s'est bien passée. Vous avez envie de chanter, vous avez envie de rire. Eux, ils avaient envie de chanter, mais là, ça n'a pas duré longtemps. Ils ont été déçus parce que maintenant, il y avait de l'eau, mais de l'eau qui était absolument imbuvable. Le psaume 106 nous dit, au verset 21, « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Ils ont oublié, ils ne pensaient plus. Tellement la vie nous propose des aventures, des histoires, des rencontres, qu'on arrive parfois à oublier les bonnes choses. On oublie que finalement, on est vivant. On oublie qu'il y a eu de bonnes choses qui se sont produites. On oublie tout ce qui a été positif dans notre vie. On est là, on est déçu. Peut-être quelqu'un parmi nous est déçu. Vous n'avez pas besoin de le dire, mais de le dire à Dieu dans le secret de votre cœur, de la déception et de l'amertume. Ils oublièrent Dieu, ils oublièrent leur sauveur. Peut-être as-tu oublié ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous savez, il y a des gens qui ont été secourus. Je me souviens d'un homme qui était déjà âgé à l'époque. Il racontait que pendant la guerre de 14, il avait échappé plusieurs fois à la mort. Mais alors, quand je dis échappé, c'était vraiment extraordinaire. D'après la description, imaginons, il est là, dans la tranchée, et puis un officier qui lui dit « Bon, il faut aller porter un message là-bas, à tel endroit. » Alors il prend le message, il le porte. Quand il arrive à 50 mètres, un obus tombe à l'endroit qu'il venait de quitter. Et il a été sauvé, il aurait pu mourir. Et tellement de choses se sont produites. Et à la fin de sa vie, quand il a entendu l'évangile à une de nos réunions, à une de nos églises, il disait « Je sais pourquoi Dieu m'a gardé toutes ces fois. Il savait qu'un jour j'entendrai l'évangile, il voulait m'y préparer. » Et c'était quelque chose, c'était son témoignage à lui. Bon, c'est vrai, c'est extraordinaire. Vous pouvez croire que c'est le fait du hasard, que bon, c'est comme ça. Vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Mais lui, en tout cas, c'était pas le fait du hasard. C'était vraiment Dieu qui l'avait secouru. Et il était tellement reconnaissant et heureux envers Dieu de ce qu'il avait fait. La soif, quand on a soif et qu'on a besoin de boire, quand on a besoin d'être désaltéré. C'était quelque chose de flagrant dans le désert. L'Écriture nous dit qu'ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. 3 jours. Vous savez, c'est pas beaucoup, 3 jours. Hein, 3 jours, c'est bon. Vous vous rappelez, des fois, il nous arrive des événements et des années après, on s'en souvient. Mais eux, c'était 3 jours seulement. Il y a une petite distance entre l'épreuve et la bénédiction. Il y a une petite distance entre le bien et le mal. Jésus a dit un jour à un homme, jette le filet du côté droit de la barque. Il l'a fait et il a ramassé une belle pêche. Il n'y avait pas beaucoup. Entre l'échec et la réussite, il y avait juste la largeur de la barque. Ce n'est pas beaucoup, hein. Et j'aimerais vous dire ceci, le Seigneur voudrait se révéler à votre cœur. Peut-être que vous vous trouvez dans une impasse. Il nous dit que l'eau était amère. Ils ont été heureux. Un grand écrivain français raconte qu'un jour, son avion s'est écrasé, a dû atterrir dans le désert, un désert terrible, à des distances infinies. Il n'y avait aucune vie, aucune route, aucune maison,
Rien. Bien sûr, pas de rivière, pas d'eau, absolument rien. C'était terrible. Alors, il a dit, bien, on va voir. Il s'est mis à marcher, au hasard. Il dit, si je reste immobile, je suis mort. Mais je vais marcher, je verrai bien. Il a commencé à marcher. Que boirons-nous? Que boirons-nous? Quel sera? Et là, tout d'un coup, il a aperçu un mirage. Il a cru que c'était la source. Il a cru qu'il avait trouvé. Quelle déception! Quand ensuite, il a voulu boire cette eau. Je crois que c'est le même écrivain qui raconte que il pensait qu'il y avait de la rosée. Alors, ça arrive même dans le désert, il y a de la rosée quelquefois. Alors, il a fait une chose. Il a mis son parachute qu'il avait récupéré dans son avion. Il a mis son parachute par terre. Et toute la nuit, des petites gouttes sont tombées sur le parachute. Et ça a fini par faire de l'eau. Alors, il a pris, et de façon précautionneuse, il a serré ce tissu. Et l'eau a commencé à couler. Et puis, il y avait vraiment de la joie. Et puis, tout d'un coup, il veut boire l'eau. Et l'eau était imbuvable. Mourir de soif devant une source d'eau, c'est terrible. Et ainsi en est-il parfois dans le monde où on est déçu parce qu'on a cru qu'un ami allait nous aider. On a cru que quelqu'un allait nous secourir. Et on a été déçu par une parole désagréable, déçu par un non impératif. L'eau était amère. Amara. Mara, ça veut dire amertume. Ils ont trouvé un nom. C'est l'amertume, la source amère. Ce soir, peut-être que quelqu'un a été déçu. Peut-être même cette semaine, cette journée, vous avez été déçu parce que ce que vous espériez ne s'est pas produit. Un ami qui devait vous aider ne vous a pas aidé. Et ainsi, c'est la soif qui est là et qui vient. Quelle tristesse, quelle difficulté. Vous savez, il y a une différence entre l'eau du monde et l'eau du Seigneur Jésus. Jésus a dit un jour à une personne, « Quiconque boira de cette eau aura encore soif. » Il parlait de l'eau d'un puits qui était là à côté. Et Jésus dit à cette femme, « Tu vois, cette eau qui est là, si tu la bois, tu auras encore soif. Et tu auras toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Parce que ça sera une source d'eau qui jaillira. Alléluia. Nous avons besoin de plus de rencontrer un peu d'eau. Nous avons besoin d'une eau qui jaillisse, d'une eau qui sorte. Parce que quand c'est comme ça, ça se renouvelle. Vous savez, la petite source dont je vous ai parlé en commençant tout à l'heure, elle ne s'est pas épuisée, pourtant elle coulait tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et la grâce de Dieu est là et l'amour de Dieu est là dans votre vie. Il veut agir, faire de grandes choses. Et bien l'eau que je lui donnerai, a dit Jésus, deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Peut-être tu penses que ce n'est pas beaucoup. Tu voudrais peut-être avoir beaucoup d'eau, tu voudrais peut-être avoir de l'or, de l'argent, que sais-je. Mais Dieu a pour toi quelque chose d'infiniment précieux, c'est-à-dire quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Parce que le trésor, c'est ça. La déception vient parce que le trésor s'arrête, parce que l'eau vive ne coule plus. Mais ce soir, j'aimerais t'amener vers moi, vers quelqu'un qui va satisfaire ton cœur. Le peuple murmura contre Moïse. Quand ils ont vu cette eau qui était là, ils ont murmuré. Oui, mais que boirons-nous? Nous sommes sortis de l'Égypte. Et là, nous étions malheureux, nous étions esclaves. Et on y a cru. Tes bonnes paroles, on y a cru ce que tu nous as dit. On s'est mis en marche. Mais voici maintenant où nous sommes. Eh bien, quelle déception. Peut-être que quelqu'un a été déçu, même par une religion, un homme religieux qui vous a déçu. Un jour, je me souviens toujours, je suis allé faire une visite à une dame, membre de notre église, et je voulais lui donner une parole d'encouragement. Et alors, j'ai dit bonjour à son mari. Ça va être poli, hein? Bonjour, monsieur, comment allez-vous? Oui. J'ai essayé un peu de lui parler de Jésus. Alors, il m'a regardé. Il m'a dit, monsieur, arrêtez. Parce que si vous savez ce qu'un homme religieux m'a fait, vous partiriez en courant. Alors, j'ai dit, bah, d'accord. Il fait bon aujourd'hui, hein?
déçu. Cet homme avait été déçu. Oh, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas fait d'enquête. Bon. Mais voyez-vous, il y avait de l'amertume dans son cœur. Il avait été déçu. Peut-être qu'un homme religieux même vous a déçu. Un philosophe, quelqu'un que l'on disait sage, eh bien, a été pour vous une source de confusion. Mais j'aimerais vous conduire, non pas vers le fondateur d'une nouvelle religion, mais quelqu'un qui connaît votre problème, quelqu'un qui est capable de satisfaire. Jésus a dit, l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça ne s'arrêtera pas, ça ne restera pas inerte. Mais ça ne... Et même s'il y avait de l'amertume dans l'eau, parce que ça peut arriver dans le désert où on se trouve parfois, une eau qui paraissait beaucoup, qui paraissait intéressante, et qui finalement a été une source de difficultés. Un site d'eau brillant, agréable. On voit de l'eau, on voit des fleurs, on voit des arbres, on voit de la verdure. Mais c'est formidable ce qui va se produire. Mais maintenant, c'est l'amertume. Un site riant. Un jour, des gens ont dit au prophète, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont amères. Le séjour est bon, le séjour de la ville est bon. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, dans le monde où nous sommes, il y a des choses sympathiques, des choses agréables. Mais il y a des fêtes. Je remarque que souvent, les fêtes ont lieu en rapport avec des dates chrétiennes. Alors, il y a Noël, par exemple. Alors, bien sûr, Noël, c'est la crèche. Noël, ce sont le sapin illuminé, les cadeaux, le Père Noël, la fête familiale. Bien, c'est sympathique, Noël. Et le Pâques, alors Pâques, hein, avec les œufs en chocolat que l'on cherche dans le jardin, etc. Bon, il y a beaucoup de choses sympathiques dans toutes ces fêtes qui existent. La fête de Pentecôte, la fête de l'Ascension, que c'est, toutes sortes de fêtes. Mais il faut plus que des fêtes. Vous savez, un jour, je demandais à quelqu'un, je voulais faire un peu un reportage sur le vocabulaire religieux. Alors, je voulais savoir, qu'est-ce que les gens ils connaissent? Alors, je vais interroger Tassu, là. Monsieur, est-ce que vous savez ce que c'est que Pentecôte? Alors, il me dit, je ne sais pas d'ici. C'était un mot nouveau. Bon, il n'avait jamais entendu ce mot. Pentecôte, c'est quoi ça? Mais je voudrais dire que la religion, parfois, nous conduit à des festivités. Mais le séjour de la ville, a-t-on dit au prophète, le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le séjour de la ville est bon. Il y a des choses insympathiques. Parfois, on se promène dans Perpignan, on dit, ah, c'est beau, il y a un jardin, là. Ils sont en train de faire un jardin là à côté, c'est joli, ils ont planté des fleurs. Il y a des choses jolies dans les villes. Il y a des choses agréables, il y a des fêtes sympathiques. Le séjour est bon, mais il y a un problème. Les eaux sont amères, imbuvables. On ne peut pas se satisfaire. Ne restez pas ainsi, mais venez vers celui. Je ne vais pas vous conduire à changer de source, mais à venir après celui qui est capable d'enlever l'amertume. Enlever l'amertume. Parce que c'était le cri de leur cœur. Mais que ferons-nous? Que ferons-nous? Alors ils ont murmuré contre Dieu. Ils ont murmuré contre Moïse, leur prophète, l'homme de Dieu qui avait sacrifié sa vie pour eux. Ils ont murmuré, exprimé leur mécontentement. Ils ont oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Comment ils étaient sortis d'Égypte avec des miracles, des prodiges. Ils avaient traversé la mer Rouge, etc. Bon, ils avaient vécu. Rendez-vous compte, quel témoignage! Qu'est-ce qu'ils avaient à raconter? Tellement il s'en était passé des choses extraordinaires et merveilleuse. Mais le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Alors, on s'approche maintenant vers Jésus, parce que cette eau, elle est absolument imbuvable. L'Écriture nous dit que Dieu a parlé à Moïse. Moïse a crié à l'Éternel. Vous avez remarqué, il ne nous a pas dit il a prié, mais il a crié. Ce que ne veut pas dire absolument que pour prier, il faut hurler, hein, rendre sourd les voisins. Mais
il y a quand même quelque chose, c'était dans son cœur. Ce n'était pas une prière mécanique, routinière, habituelle. C'était l'expression d'une souffrance, d'un besoin. Il y avait une détresse telle que Dieu a eu pitié de cette personne, de ces gens qui murmuraient. Vous savez, Dieu aurait pu s'irriter, Moïse aurait pu s'irriter en disant « Mais comment ? Comment ils sont là ? Ils ne sont pas reconnaissants ?» Alors l'Éternel ne discute pas. Il ne dit pas au peuple, bon voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas apprendre par cœur la prière que je vais te faire apprendre par cœur. Non, il est dit que l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Que s'est-il passé? Ce n'était pas un miracle chimique, ce n'était pas un truc de passe-digitation, n'est-ce pas? Mais il a pris ce morceau de bois. Les remèdes de Dieu, il faut reconnaître qu'ils sont étranges. Il n'y a pas d'explication. On ne sait pas pourquoi. Quel est ce bois qui a été indiqué? Parce que si c'était le bois, eh bien, ils auraient pris un morceau de bois, ils auraient découpé un petit morceau, ils auraient fait un business terrible. Venez voir, venez, buvez. Si vous avez un souci, tenez un morceau de bois magique. Un morceau de bois qui va vous faciliter l'existence. Nous ne sommes pas ici pour vendre un truc. Ça, ce sont les magiciens, les prestidigitateurs, les menteurs. Mais nous voulons dire la vérité. Cependant, nous avons le devoir de réfléchir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire là? Quel est le secret de ce morceau de bois? D'abord, on ne sait pas de quel bois il s'agit. Je ne sais pas si c'est de l'acacia, du peuplier, du frêne, du platane, du cerisier, du pommier, etc. etc. On ne sait pas. C'était un morceau de bois quelconque. Le bois sur lequel on a cloué Jésus était aussi un bois quelconque. Il n'y avait aucun pouvoir magique dans ce morceau de bois. Je pense à une autre histoire de la Bible. Lorsque le peuple a été mordu par des serpents, c'était encore dans le désert. Il s'en passe des choses dans le désert, hein, des aventures. Les serpents ont mordu les gens et les gens étaient fiévreux. Ils étaient très malades, voire ils mouraient. Pourquoi? Parce que les serpents étaient venus. Alors Moïse a crié à Dieu, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Dieu a dit, fais-toi un serpent en airain et mets-le au sommet du camp. Et là, il a fabriqué un serpent en fer. Il a fait un moule, je ne sais pas comment il a fait chauffer du feu. Il a fait fondre un morceau de métal, il a donné la forme d'un serpent, et il a mis ce serpent au milieu du camp. Et tous ceux qui regardaient, non pas avec un regard de superstition, hein, ou de curiosité, mais un regard de foi. Puisque Dieu me demande de regarder ce serpent, je regarde. Et là, quand ils regardaient, ils étaient, tous ceux qui le regardaient étaient guéris. Tous étaient délivrés. Alors ils étaient tellement heureux. Savez-vous ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont pris ce morceau de fer. Ils l'ont appelé Nehushtan. Et ils ont dit, Nehushtan, viens, c'est notre sauveur, c'est lui. Regardez la sainte relique que nous avons. La sainte relique grâce à laquelle des miracles vont se produire. Vous savez, dans la chrétienté, on a fait les mêmes bêtises qu'autrefois. Hein. Ah oui, parce que le cœur de l'homme est le même. On a cru, on s'est arrêté, et là on a fabriqué un serpent. Vous savez, ce que les chrétiens ont fait avec la croix, c'est un peu la même chose. Le message de la croix, nous le prêchons. Et si nous comprenons quel est le sens de la croix, il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il va se passer des choses extraordinaires. Mais réfléchissons. Est-ce que le miracle vient du morceau de bois? Non. Est-ce que le miracle vient du serpent en airain? Non. Le miracle vient d'où alors? Eh bien, il vient de Dieu. C'est Dieu qui fait des miracles. Et nous ne devons pas croire, n'est-ce pas, dans des superstitions. Vous savez, dans la chrétienté, on a retrouvé, paraît-il, ce qu'on appelle des saintes reliques, des objets, n'est-ce pas, les morceaux de l'orteil d'un saint, n'est-ce pas, le morceau d'une phalange d'une sainte, etc. Et alors, on a conservé ces saintes reliques dans des... Il paraît qu'il y en a même à Notre-Dame de Paris qui n'ont pas brûlé, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Bref,
Alors vous me direz peut-être, mais il y a la sincérité, je ne discute pas. Mais Dieu n'était pas d'accord avec ça. Et il a dit à Moïse, prends ce serpent d'airain et jette-le. Comment, Seigneur? Mais c'est toi qui nous as demandé de le faire. Jette-le. Parce que le peuple s'était détourné du culte de Dieu pour aller vers les idoles, pour aller vers des objets. Parce que le miracle ne vient pas d'un objet, le miracle ne vient pas d'un morceau de bois. Il vient de la puissance de Dieu, alléluia. Si nous croyons simplement en lui, si nous attendons à le voir à l'œuvre, alléluia, un simple morceau de bois. L'Écriture nous dit que Moïse a pris ce morceau et il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue douce. Quel miracle! L'eau est devenue douce. Dans ta vie, le Seigneur veut enlever l'amertume. Peut-être que c'est dans la douceur amère. Peut-être c'est l'amertume dans une vie professionnelle ratée. Peut-être l'amertume parce que tes enfants sont désagréables, ils sont méchants, ils te font voir de toutes les couleurs. C'est terrible. Je me souviens de cette famille que j'allais voir. Ils avaient beaucoup d'enfants. Qu'est-ce qu'ils avaient comme enfants? Incroyable. Une collection terrible. Mais les enfants, terribles aussi. Les enfants étaient épouvantables. Je n'en avais jamais vu comme ça. Quand je pense à nos enfants qui étaient si gentils, si douces. Bref, là c'était affreux, affreux. Et les enfants insultaient la mère. Ils l'insultaient, ils la frappaient même. Peut-être c'était pour eux de l'amertume. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il enlève l'amertume. Alors, il met la douceur, il met la paix. Il met l'espérance. Ce soir, j'aimerais que, pendant quelques instants, nous puissions aller plus loin que voir ce récit. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là que Dieu donna au peuple la parole. Vous savez que nous avons besoin, plus que de l'argent, plus que de l'or, nous avons besoin d'une parole, la parole de Dieu. Cette parole qui va venir dans notre cœur, cette parole qui va nous toucher, qui va nous éclairer et qui va produire ce résultat surnaturel. Parce que le résultat, eh bien, c'est pas parce qu'il y a une église meilleure que les autres, c'est pas parce qu'il y a un prédicateur qui parle mieux que les autres, un chanteur qui chante mieux que les autres, mais c'est parce qu'il y a une foi dans un Dieu vivant et vrai, et dans ce lieu où il y avait tellement d'amertume, maintenant, il y a de la douceur. Ce soir, je crois que c'est le soir de Dieu. C'est le soir où Dieu veut agir. C'est le soir où il veut se manifester. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu restes fidèle à ses commandements, si tu regardes toutes ses lois et ses ordonnances, alors je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Il y avait à l'époque toutes sortes de divinités. Aujourd'hui encore dans ce monde, il y a beaucoup de divinités. Des gens sont malheureux parce qu'ils suivent des faux dieux. Des faux dieux. Il y a des dieux qui disent, tu vois celui-là, comme il est malheureux, il ne faut pas l'aider. Il ne faut rien faire de bien pour lui parce qu'il est en train d'expier le mal qu'il a fait dans une vie antérieure. Alors il faut laisser souffrir parce qu'il se purifie. Et c'est comme ça que grâce à des bêtises pareilles, des gens souffrent. Des gens ne sont pas secourus. Pourquoi ? Parce qu'on est enseigné mal, on nous apprend des choses fausses et erronées, pas comme s'il fallait laisser quelqu'un qui crève ou quelqu'un qui est malheureux. Au contraire, le Seigneur dit que nous devons aimer et secourir ceux qui sont dans la difficulté. Jésus a vu des malades et à plusieurs reprises, il nous dit qu'il fut ému de compassion. L'amour de Dieu, ému de compassion. L'Évangile, c'est un message d'amour. Alléluia. Et l'Évangile nous apprend à aimer les autres. C'est pour cela, c'est un message si important. Si tu observes mes commandements, si tu connais ma parole, si tu la répandes autour de toi, alors tu seras heureux parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Et l'Évangile, c'est un message de paix, un message de bonne nouvelle. Et ce soir, je suis heureux. Et nous sommes heureux, nous, les chrétiens et les prédicateurs de l'Évangile, parce que nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Alléluia. Que boirons-nous? Que boirons-nous? L'étrangeté du remède, un morceau de bois. Un morceau de bois.
Jésus est mort sur la croix. Il est mort afin que nous ayons la vie. On peut dire que symboliquement, toute l'amertume de l'eau s'est incrustée dans le bois. Le bois qui était là, qui était jeté dans la source, a pris sur lui toute l'amertume qu'il pouvait y avoir. Et désormais, l'eau est devenue potable. Je bénis Dieu pour cela, parce que Dieu a donné à Moïse une loi. Il a donné au peuple une loi. Et c'est ainsi que la satisfaction peut venir dans un peuple qui connaît Dieu. Il nous dit, il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ça, c'est le psaume 107, verset 9, qui nous est donné. Le don de la parole de Dieu. Si nous obéissons, nous sommes sous sa protection. Si nous les cherchons à comprendre. Vous savez, il y a des religions où on dit, si ton ennemi est par terre, frappe-le et tue-le. Mais dans l'évangile, Jésus dit, si tu vois ton ennemi, aime-le. Aime-le. Et c'est pour cela que l'évangile est un message supérieur. Non pas par la qualité de ceux qui le reçoivent, mais par la foi en lui, parce que c'est lui qui change notre cœur. C'est lui qui nous apprend, qui nous enseigne à trouver et à voir dans une âme qui est devant nous, à voir la beauté de Dieu. Alléluia. Oh, on va au-delà de l'apparence. La vengeance, c'est un fruit de bête. La vengeance, c'est un remède pourri. C'est un remède de mal. Regardez un bon film, par exemple, un bon livre. Vous savez ce que c'est un bon film, un bon livre, d'après le monde? C'est un film où, au début, il y a une scène atroce, des massacres, des méchancetés, des types, on lui a fait de toutes les couilles, tout le monde fait « Ah, ah !» Horreur. Et pendant 2, 3 minutes, 4, 5, 10 minutes, c'est ça. Et puis tout le reste du film, c'est quoi? C'est la vengeance. Ah, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et c'est ainsi que, depuis le conte de Monte Cristo, ceux qui l'ont lu autrefois, les jeunes, je ne sais pas s'ils lisent encore ce genre de bouquin, mais c'était ça, l'histoire. Les grands romans, il y avait vraiment des choses terribles, mais après, tout le désir de vengeance. Et quand on lit ça, on dit, ah, c'est bien fait pour lui, cette sale peau, n'est-ce pas? C'est bien fait pour lui. Il y a une méchanceté. Mais l'évangile, c'est le contraire. C'est un message d'amour. Dieu veut nous apprendre à aimer nos ennemis, à dire du bien à ceux qui nous haïssent, à prier pour ceux qui nous maltraitent. C'est pour ça que c'est un message supérieur. Alléluia. C'est pour que cette parole est sur le mur des Nations Unies, le mur d'entrée des Nations Unies à New York. Il y a un verset de la Bible. La parole de Dieu est gravée. Et beaucoup de gens qui rentrent de tous les coins du monde, ils lisent cette parole sans savoir, sans doute, d'où elle vient. Mais elle a été gravée là. C'est une parole de Dieu. C'est une parole d'amour, une parole de paix. On n'apprendra plus la guerre, disent cette parole. On n'apprendra plus la guerre. Il faudrait aller et prendre ceux qui se battent maintenant et les conduire à l'entrée de cet endroit des Nations Unies. Si on pouvait mettre en pratique cette parole, quelle différence il y aurait, quel amour, quel pardon il y aurait. C'est ce que Dieu désire, changer notre humanité. Vous savez, en changeant, comment faire pour changer l'homme? Comment faire? On ne peut pas changer l'homme. Vous devez connaître sans doute l'histoire de ce pasteur qui était en train de préparer sa prédication et il était en réflexion, qu'est-ce que je vais dire demain, comment je vais tourner ça, il ne savait pas trop comment. Et puis il y avait son petit garçon qui l'embêtait. Son petit garçon qui était là, il tournait en rond. Et le père a compris que l'enfant s'ennuyait, il ne savait pas quoi faire. Alors il a dit, bon, tu vas voir. Il a pris le portrait d'un homme, il l'a découpé à coups de ciseaux. Il a découpé le nez, les yeux, le bout, tout. Il a tout mélangé. Et il lui a dit maintenant, oh non, je suis en train de me tromper, c'est le contraire. Voilà.
Il a pris une map monde, il a coupé un petit morceau. Et après, il a dit, bon, vas-y, maintenant, refais le puzzle. Fais le puzzle, la map monde, et comme ça. Il pensait qu'il était tranquille. Mais ça, c'est, il n'a pas été tranquille. Pourquoi ? Parce que très rapidement, l'enfant a compris et il a mis la map monde en place. Alors, le pasteur ne comprenait pas. Il dit, mais comment tu as fait ? Il ne connaissait pas le monde. Il ne connaissait pas la Chine, l'Amérique, l'Inde, la Russie. Il ne connaissait pas. Alors, il a dit, mais j'ai vu que de l'autre côté, il y avait le portrait d'un homme. Alors, il a dit, j'ai refait le portrait de l'homme. Et en refaisant le portrait de l'homme, j'ai refait le monde. Et tout d'un coup, le pasteur dit, ah, voilà ce que je vais dire demain. En refaisant l'homme, j'ai refait le monde. Vous savez, on veut parfois se battre pour chercher le monde. Et on a raison, il faut changer le monde. Mais comment allons-nous changer le monde ? Il faut changer l'homme. Tant qu'on ne changera pas l'homme, il y aura les mêmes scènes. Aujourd'hui, dans le monde, il y a des scènes horribles. Il y a des scènes de massacres épouvantables. Je n'ose même pas évoquer de quoi il s'agit. Mais parce que le cœur de l'homme est toujours le même. Toujours le même. Il faut prêcher le message de l'Évangile. Alléluia. Prions pour que dans ces pays où il y a des guerres, où il y a des violences, il puisse y avoir aussi des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu qui rendent témoignage, alléluia, qui annoncent l'Évangile et qui parlent combien Dieu est bon, combien Dieu est miséricordieux. Et c'est ainsi que le monde sera changé lorsque les croyants seront changés. On va prier pendant quelques instants. Nous allons courber là notre front dans la présence de Dieu. Nous sommes là réunis au nom de Jésus. Le Seigneur veut changer votre cœur, votre âme. Peut-être que dans votre vie, il y a de l'amertume. Il y a des illusions. J'aimerais vous parler d'un Dieu plein d'amour. Alléluia. Dieu ne veut pas que votre vie soit un cloaque, plein de méchanceté, plein de mauvaiseté, plein de haine. Non, le Seigneur veut mettre de l'amour dans votre cœur. Il veut vous mettre du pardon dans votre âme, afin que autour de vous, peut-être c'est difficile dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Je pense à quelqu'un qui se trouve dans la difficulté à cause des collègues de travail, à cause du patron, et vous êtes là en train de vous morfondre, vous êtes malheureux, malheureuse. J'aimerais vous dire, venez à Jésus. Laissez-le entrer dans votre vie. Maintenant, pendant que nous allons prier, nous allons d'abord chanter un chant, nous allons suivre le chant que le groupe va interpréter. Pendant le chant, vous allez avoir une pensée. Élevez votre cœur vers le Seigneur et vous allez lui dire, Seigneur, je viens vers toi. Ô Dieu, il y a de l'amertume dans mon cœur et je veux que tu mettes la paix, Seigneur, et que tu mettes la tranquillité au nom de Jésus. Restons quelques instants dans la prière et après nous reviendrons. Alléluia. Ton appui
assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Alléluia. Sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur est présent par le Saint-Esprit. J'aimerais m'adresser à vous qui venez de suivre ce programme en présentiel ou en distanciel. J'aimerais m'adresser à chacun, peut-être quelqu'un, vous n'êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais quelqu'un dans la vie duquel il y a une déception, une amertume, et vous désirez que le Seigneur vienne dans votre cœur. Maintenant, nous allons prier le Seigneur quelques instants, ensemble. Je vais prier pour vous. Nous allons prier les uns pour les autres. J'aimerais que vous puissiez venir vers lui et le recevoir comme votre Seigneur et votre Sauveur. Pendant quelques instants, nous allons invoquer le Seigneur. Nous sommes dans la prière. Nous avons les yeux fermés, le front baissé. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ce message ce soir? Quelqu'un qui veut recevoir Jésus dans son cœur, qui veut dire, Seigneur, enlève l'amertume, mets la paix et la douceur dans mon environnement, dans mon entourage, auprès de mes amis. Seigneur, mets la paix dans ton... Et nous allons prier pour vous. Si vous êtes d'accord avec cette prière, je vous invite à lever la main bien haut vers le Seigneur. Merci, monsieur, merci. Que Dieu vous bénisse. Levez la main, vous la baissez ensuite. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Vous levez la main et vous la baissez simplement. Nous sommes dans la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Alléluia. Croyez le Seigneur. Il y a pour ceux qui suivent le programme à la télé, il y a un numéro de téléphone qui s'inscrit sur l'écran. Prenez-le et demandez une aide. Faites connaître votre besoin. Quelqu'un priera pour vous. Et nous sommes heureux de dire que nous pouvons prier les uns pour les autres. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce. Bénis ces âmes, Seigneur, qui ont levé la main vers toi. Touche leur cœur. Remplis-les, Seigneur, de ta présence. Ô Seigneur, qu'il se passe quelque chose de grand et de magnifique. Dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Voilà, nous allons, en terminant notre programme, faire quelques annonces. Je ne sais pas qui va les faire, les annonces, derrière moi. Et donc, nous vous invitons à revenir dans nos réunions qui ont lieu tous les mardis à 19h30, tous les dimanches à 15h30. Il y a d'autres réunions, d'autres programmes. Renseignez-vous. Lisez la parole de Dieu. Lisez l'Évangile et vous y découvrirez la parole de Dieu, plein d'amour, plein de sagesse, plein de force, par sa grâce même. On va terminer par un chant et une dernière prière. Peut-être Geneviève pourrait, Liv aussi pourrait prier. Simplement, d'abord on va écouter. Alors pour les annonces, excusez-moi, je ne suis pas très fort en annonces. Alors des réunions comme celle-ci, nous en avons aussi tous les dimanches, après-midi à 15h30, à part le premier dimanche de chaque mois. Voilà. Ensuite, nous avons des réunions de découverte de l'Évangile sur Argelès-sur-Mer tous les premiers et troisièmes jeudis du mois. Ensuite, vendredi, nous avons un temps de prière où nous apprenons à connaître davantage celui qui nous a sauvés. Voilà. À 19h30 aussi. Et le dimanche matin, notre culte célébration, pardon, à 9h15, ça commence à 9h15, parce que le culte commence au moment de prière. Et ensuite, l'après-midi, la découverte de l'Évangile à 15h30. Voilà. Si vous voulez recevoir, si vous souhaitez recevoir ces informations, n'hésitez pas à venir à nous voir ou à venir voir peut-être Mathieu ou même les responsables. Si vous souhaitez recevoir ces informations sur WhatsApp, Facebook, par mail, voilà, n'hésitez pas.
Voilà, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Ça ne vous dérange pas pour ce dernier chant. Merci. Chaque pas, chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il bat, je veux vivre pour toi. Chaque pas, à chaque instant, chaque moment qui passe, ta présence est intense, ton amour me dépasse. Et à tes côtés, je ne peux me lasser de te chanter, je ne peux m'arrêter. Je veux vivre pour toi, sans regarder derrière moi. Je veux suivre tes pas. Mon cœur vibre à ta voix, et à chaque fois qu'il va, je veux vivre pour toi, vivre pour toi. Bonne soirée à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. On continue de prier pour vous.